Et si je vous prends le temps de lire ce texte, c'est parce qu'il est particulièrement important et que les conséquences que ma présence ici peut avoir peuvent être cardinales pour ma vie, pour celle de mon client et de millions de Sénégalais. L'espoir du monde résonne au Sénégal, où un juste, il y a quelques années, s'est levé pour dénoncer la corruption qui affligeait son peuple. Ce peuple l'a accompagné, s'est sacrifié et martyr, a donné une leçon au monde. Il a décidé de loger son âme en un corps que vous avez pensé pouvoir arrêter. Cet homme, ce juste qui entourait d'âmes mortes, avait décidé de se lever, ne saurait être arrêté. Il y a des êtres qui, se levant, décident que les astres appartiennent à tous et non à ceux qui se sont prétendus vouloir gouverner. Des êtres qui, faits pour gouverner, pour les privilèges, pour le confort, héritiers de capitaines d'antan assassinés,